Dans une nouvelle étude publiée ce 7 mars 2023 dans Radiologie de Revue, les radiologues français montrent comment variantes et vaccinations Omicron sont associées à une fréquence plus faible de signes évoquant le COVID-19 dans le scanner. Ils décrivent également une propagation plus faible de la maladie que chez les patients touchés par la variante Delta et non vaccinés. La RSNA, la Société néerlandaise de radiologie et la Société de radiologie française. C'est raison pour laquelle une équipe française, contrôlée par le docteur Guillaume Gorcourt, a décidé d'étudier l'impact statut vaccination et la variante prédominante sur les résultats du scanner thoracique. Diagnostic et gravité dans un véritable échantillon multicentrique patient consécutif référé au service d'urgence pour COVID-19. Nos résultats confirment que variante Omicron et la vaccination étaient associés à une fréquence plus faible de tomodensitométrie thoracique typique pour COVID-19 et une étendue inférieure de maladie, explique le docteur Gorincourt. D'un autre côté, nombre plus élevé dose vaccin a montré un impact protecteur croissant contre score gravité élevé. Ce qui souligne le bénéfice la dose rappel. Une grande étude à l'échelle confirme plus faible nocif de variant Omicron et contribution de vaccination sur l'état des patients. Cette étude rétrospective multicentrique, publiée dans la revue Radiology, comprenait 3876 adultes, reçus dans 93 services d'urgence pour infection par SARS-CoV-2 entre juillet 2021 et mars 2022. Les données cliniques et les rapports structurés la poitrine TDM ont été extraits d'une base données téléradiologie, statut sur les scores diagnostiques et gravité. L'analyse a révélé que la variante Omicron était associée à une probabilité plus faible de résultats TDM typiques que la variante Delta. Patients vaccinés. Bruno Binck avec RSNA.